Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, j'allais préparer un gâteau au chocolat où je voulais faire des crêpes, etc. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus de beurre et plus de lait. Et j'ai retrouvé cette préparation moelleuse saveur citron de chez Lidl. Et il faut juste rajouter 3 œufs et 20 centilitres de crème liquide. Et ça, j'avais à la maison. Donc c'est parti. En même temps, on va faire le test, voir si c'est bon et bien moelleux. Alors, donc déjà dans le paquet, on a le sachet de préparation et un sachet de sucre glace. Et nous, donc les éléments à rajouter, 3 œufs et 20 centilitres de crème liquide. Donc dans le saladier, on va mélanger donc la préparation avec les 3 œufs et les 20 centilitres de crème liquide. Donc c'est super simple. Ah, l'ouverture ici, j'avais pas vu. Voilà ce qu'on va retrouver, la préparation et le sucre glace. Voilà. Et je vais venir mettre. Bon, je vais d'abord mettre la crème liquide. Voilà. Et ensuite, je vais venir ajouter les œufs. Et le dernier œuf. Donc là, voilà, j'ai bien mélangé les 3 œufs avec la crème liquide. Et ensuite, une fois, oups, on a mélangé tout ça. On va, à l'aide d'un batteur électrique, fouetter 30 secondes à vitesse lente, puis 3 minutes à vitesse rapide pour obtenir un mélange crémeux. Donc, moi, j'ai mon batteur électrique là. Coup, je viens verser ma préparation dans un moule de 24 cm. Voilà, je lisse bien ma préparation. Hop. Et j'enfourne en chaleur tournante à 150 degrés pendant 45 minutes.
Donc voilà, pour dépanner, c'est vraiment pas mal. On a juste à rajouter, comme vous l'avez vu, 3 œufs et de la crème liquide. Donc c'est vraiment pour dépanner quand on n'a plus grand-chose, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez aimé, faites-moi un retour dans les commentaires. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.